teasing pour que vos joueurs soient excités. CF Blizzard. Après, vous faites des jeux de merde, c'est pas grave. Danse full text sur Game Boy. Voilà, un jeu de danse full text sur Game Boy. Voilà ce qu'il nous faut. Bon, là, on dirait pas ce qu'il y a. Je vais tout droit. Mais attention, il y a un gros tronc. Et ensuite, je peux toutes les sélectionner et faire ça. Oh, voilà! Voilà! Ah! Vos guerriers ont engagé. Ah, voilà! Alors là, bon. Le PC. Ça va bien se passer. Ça va... Oh merde! Ça va bien se passer. On jump trop tard. Mais de quoi? Mais de quoi? Hop, wall jump direct! Ça change quoi? Mais non, mais faut aller sur le côté alors qu'on peut pas parce qu'il y a des... J'ai gagné. Très bien, c'était trop facile, c'était trop de la merde, no match. Non, 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 il a pas une grande maison, gars, il a des murs très épais parce qu'il tape dedans tous les jours. Put your hands on me, my skin tight jeans, be your teenage dream tonight. Hey, you, you make me feel like I'm living a mess. Take me by the tongue and I know you. Kiss until you're drunk and I show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Become so dumb, I can be user. Become so tired, so much more aware. I becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Ok, go Zed. C'est bon, elle mourra pas. Oh non, le salopard de fils de race. Oh putain, oh, ça m'énerve. Oh ça m'énerve. Ça m'énerve. Tiens. Tiens. Non mais je fais des dégâts, mec, hein. Tu crois quoi? Ok, je fais pas de dégâts, bon d'accord, je me casse. Oh le salopard. Oh le fils de pute. Oh non! Incroyable! Incroyable! Oh my god! Oh my god! Truc pas du tout fait exprès. Ouais, le souci en fait de cette histoire, c'est à votre avis, lèche dans le cul. Enfin non, pas lèche dans votre cul. À votre avis, est-ce que je l'ai dans l'os? Parce que j'ai signé ce papier. Donc votre but. Putain, l'étagère! L'étagère! Donc votre but c'est de tuer avant qu'on vous tue, c'est ce que j'allais dire. Oh, des un coffre. Oh, je peux y arriver ça quand même, non? Meurs! Raté! Putain, qu'est-ce que je suis nul! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh! Oh. Et attention le son, 3, 2, 1, dégueulasse. Plutôt genre je spawn avec une arme et je fais des choses. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je trouvais ce jeu vachement intéressant et j'attends vraiment les nouvelles mises à jour qu'ils vont apporter. Excuse-moi, mais j'essaie de chasser un cerf dans la nuit. Mais mon dieu, qu'en fais-tu? Mais mec, je vois rien. Attends, mais je vais mettre la luminosité à fond, je vais cheat. Regardez. Ah, mais on voit rien non plus. Non. Tu veux pas venir là où je suis et m'éclairer? J'arrive. Je vais te donner un... Vas-y, éclaire-moi, éclaire-moi. Vas-y, bouge pas. Putain, enfin, quoi. Oh, nice. Quoi? Je vais essayer de chuchoter, comme ça, ils nous entendront pas, peut-être. Vas-y, vas-y. On va ouvrir une porte, on va laisser en rentrer un, et on va le défoncer. Je fais ça de mon côté. Vas-y.
C'est bon. Ouais. Pas de patate, je l'aurais connu. Oh my god! Oh! Oh mon dieu! Bah alors! Voilà. I'm on a highway to hell! Highway to hell! Highway to hell! I'm on a highway to hell! Go, c'est parti, restez! Tous, go, go, go! Go! C'est parti, go! Go, 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 go! On y va! Massacrez-les! Et surtout, que les soigneurs soignent! Que les DPS, DPS! Anéantissez l'Alliance! Ah, j'arrive pas à rester parce que ça lag! C'est bon! On les massacre! On tient le bon bout, les soldats! Continuez! Anéantissez-les! C'est excellent! Mourez! Que l'Alliance meure! Qu'elle comprenne le déchirement de la puissance et de l'organisation de la Horde face à la nullité des joueurs, désorganisés et complètement tardes. Soignez! Soignez-vous! Courage! Vous tiendrez! Tenez la ligne! On se focus sur ce, sur cette chose. Alors, un petit peu de micro-gestion avec ce footman, hein, on fait back. Voilà, je viens de cancel ce bâtiment, c'est plutôt pas mal, on va focus le héros, le Bloodmaster. On va faire un petit groupe, on go sur l'archimage, on back notre archimage nous. On va faire le T2 directement, on va pop une, on va pop un shot. Le mec est trop fou. Le mec est à donf. Et là vous croyez que genre on a rejoué mince. Non. Ah non mais trop pas. J'ai pas joué depuis Battle.net. C'est parti, ils font tanker actuellement leur tower, c'est pas une super idée. Et ouais, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est bon, la victoire. Non, pour Jackie la douille. Merde. Ah merde. Oh my god! Jackie la nouille! Ah, mais ça va, il devient Arthas! Non, mais oui, mais il te bite ah, quand c'est même. Moi, là. Oui. Revenons à nos moutons, comment vont-ils? Est-ce qu'on peut dire qu'un clavier AZERTY en vaut deux? Euro Truck Simulator, StarCraft 2, les jeux vidéo sont vraiment maintenant dans notre monde depuis très longtemps. Ces adeptes du streaming font énormément d'argent sur le dos de centaines de milliers de viewers et parfois même des faux. Qui sont ces nouveaux riches? Où sont-ils? Et comment se débrouillent-ils? C'est tout de suite dans Zerator fait des trucs. Hey, avance mon gars. Hey, le péage est gratuit, avance. Vas-y, avance, c'est gratuit. Avance. Oh, oh, what's up? Oui. Bien sûr. Bah ouais, d'accord. Oh, d'accord. Alors on ne peut pas griller le péage en poussant une voiture et en passant derrière elle. C'est totalement impossible, n'essayez pas ça chez vous. Votre camion fera... Oh, le virage. Oh putain. Oh non. Non mais attends, mais... Je suis coincé. Certaines en plus de... Il se passe quoi à la radio là? Quoi? Quoi? Non, mais quoi? La caméra est mal posée là les gars. Le travelling caméra cinéma ça s'est mal passé hein. Le mec insupportable, phare et klaxon à fond. Le gros retard. Bonjour, bonjour. Je viens d'acheter mon camion. Bonjour. Je pense qu'il y a un mec qui va prendre la nationale pour essayer de me doubler. Oh, mauvais fonctionnement du moteur. Oh bah zut. Si je m'arrêtais ici. Bah désolé hein, mon moteur marche plus. Donc comment on fait? Oh là, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Zut alors, il se met à pleuvoir, zut. Bon, il faut que je mette mes... Merde, faut que je mette mes essuie-glaces. Alors les essuie-glaces, c'est ça, voilà. Oh zut, qu'est-ce qui va se passer? Plein phare pour voir le paysage de nuit. Est-ce qu'on peut voir les étoiles un petit peu? Waouh. Sous les diamants des étoiles,
Quel magique univers. Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Pardon. Bim, 1, 2, 3, 4, E, on valide. F pour sprinter, saut. Oh, qu'est-ce qu'il est fort! On l'applaudit des deux mains! Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort, ce mec! J'ai planté. Oui, je vivrai avec toi, Twix. Parce que je t'ai tué au début, mec. Non, mais les gars, on va tous vivre ensemble. Qu'est-ce que vous croyez? Non, par contre, je vais te tuer dans ton sommeil. Regardez-moi, je fais spawn des. Je fais spawn des huissiers de justice. Des huissiers de justice. C'est une île. Putain, c'est une île bizarre quand même. Ils sont méchants. Oh, des chevaux et des huissiers de justice. Là. Par contre, l'armure, elle me rend beaucoup moins soi que mon rôdeur du Gondor. Quoi. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une armure en merde. En caca. En caca, juste une armure en caca. C'est-à-dire, c'est du caca. C'est une armure en caca. C'est du et caca. Un casque. Oh non. Putain. Une armure en caca et un casque en merde. Imagine quoi. Mec, je suis un gros étron, mais avec un casque. Ferme ta gueule. Oh non. Ferme ta gueule. Putain de merde. C'est trop pas marrant. Pourquoi tu rigoles alors? Parce que c'est de la merde. Oui. Ouais, c'est le caca de le dire. Ouais, super. Wow. Allez, casse-toi. Show it. Show it. I'm sexy and I know it. Aïe. Tsukiyo premier. Personne ne le bat. Sexy and I know it. I know the wiggle man! I know the wiggle man! I'm sexy and I know it! Yeah! Ah! Ah! Oh sa mère, j'ai pas fait de sport depuis 1997! Bonjour! Alors là, c'est pas moi qui dirige la caméra comme ça, c'est le jeu. Donc là, on retombe. Oh putain! Ça faisait peur, ça faisait vraiment peur. Mongol. Compétitif, on peut pas. Venir bientôt. Coming soon! Venir bientôt! Moi adoré, je crée un parti. Ah bien, nous allons faire un parti dissident, n'est-ce pas? Excusez-moi. Créons un parti. Non alors, sport, c'est parti. Alors, jouer à des personnes réelles en direct sur internet. Ah, jouons à des personnes réelles. il vous est avec jusqu'à 3 autres joueurs. Contre l'IA. Génial. Oui oui. Alors on va pas jouer avec 3 on va pas il vous est avec jusqu'à 3 joueurs. On va jouer à des personnes réelles en direct sur internet. Waouh. Ah ben voilà. Voilà. Voilà que c'est bien. Voilà, sans problème. Sans problème. Pourquoi avoir un problème? Alors on peut même passer dessous, je pense. Voilà, nickel. Les fenêtres ouvertes, ouais, ouais. Bah c'est parce que j'avais chaud. D'accord. Voilà. Ah bah c'est bien là. Là c'est bien. Non mais parce que j'ai pris l'option amphibie. Ah. Mais ouais, bah attends. Oh la porte elle est là. Oh y'a la princesse. Un énorme dilemme et... sauf à moi. Pourquoi la chauve-souris est coincée? Ah. Ah putain. Je savais que j'aurais pas dû. Non. Oh yeah baby yeah. Oh là, qu'est-ce que c'est Peggy 18 là? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui, 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 oui! Ah, le grand écart! Oh, j'adore cette position! Ouais, bon, allez, de retour dans le Legendator. On passe une très bonne émission, évidemment. Oh, on passe un très bon après-midi. Quel gros con! On va faire un peu de jeu de cartes. C'est un V1 avec Zerator. Puis voilà, ça sera la fin de la journée après. On aura les LCS à partir de 19h. Allez, ta gueule, tu m'as trop saoulé. Non mais attends. Non mais parce qu'il se passe des trucs. Parce que vous savez pas. Ah bah oui, vous savez pas évidemment. Mais moi j'ai été très déçu, je viens de perdre un ami. Pouah. Ah bah je viens de perdre un non, ami. C'est pas vrai. Je viens de perdre un ami, c'est tout. Non mais est-ce que tu veux vraiment que je le raconte? Non, je le raconte pas. Moi j'ai rien à me reprocher. T'as rien à te reprocher. C'est qui a enlevé les amis des autres dans la liste des amis? Ouais, à cause de Blizzard. Non, pas à cause de Blizzard, à cause de ton amitié. Je vous explique. Il y a, quand la bêta d'Hearthstone est sortie, si on avait trop d'amis dans sa friendlist, on pouvait whisper personne dans la liste d'amis. Ici, ça buguait, tout était entassé. Donc j'ai dit tiens, je vais délaître les gens avec qui je pourrais plus jamais jouer de ma vie. Non, 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 je vais délaître les gens avec qui je suis plus du tout ami.
Voilà, c'est ça qu'il a pensé. Et j'étais plus du tout son ami. Parce que à moi l'époque. J'étais ZTV, il voilà. parlait plus. Mais il était chez l'ennemi. Mytho. Millennium avait bloqué Mytho. L'accès à ma conversation sur Skype. Et évidemment, on pouvait plus me parler. Parce que Millennium, voilà. Hein, là, voilà. Donc bon. Voilà, il est. Là, donc il ne parlait plus. Et là, il fait genre. La fin de Hearthstone. Et là, c'est il fini. Fait genre. Au final, Hearthstone aura été pour moi une révélation. C'est-à-dire que je sais que tu n'es plus ami avec allez, moi. Allez, ta gueule. Bon, on fait un duel sur Hearthstone. Nous, les jouets. Nous voyons tout. Voilà. Voilà. Ah. Ah non. Non mais. Oh, 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 dis donc. Eh, ça c'est mon métier. Oh, dis donc. Le mec est trop vénère. Non, non, tu m'as mis contre l'arbre. Tu vas y rester. Ça commence à bien faire. Alors. Alors oui, accomplir la quête. Elle a applaudi. Bravo. Vous avez fini la quête. C'est bien. Ah là. Brûlez les livres. Brûlez les livres! Brûlez les livres, brûlez les livres, brûlez les livres! Non mais! Les flammes nous brûlent! J'ai mal! J'ai mal! Ah! Faut leur en faire des cadeaux sinon! Moi je peux leur en faire du jambon s'ils veulent! Oui, bah oui! Celui qui host, on leur offrira du jambon! Bah alors, chérie! À tes souhaits? Merci! Excuse-moi! C'est venu d'un coup! D'un coup! Je comprends, je comprends! Le docteur, voilà. C'est bon. Il est docteur. Il est pas boucher. Hein? Oui. Il est docteur boucher. Docteur boucher, c'est sa double spécialité. Tu d'accord, sais, à la fac de médecine, d'accord. Tu peux choisir des options. Oui. Oui il y en a qui prennent sport, lui il a pris boucher. Oui, oui, c'est comme ma cousine. Voilà. Qui a fait coiffure pharmacie. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui. Comme Bernard, qui a fait routier hôtesse de l'air. Tu te rappelles oui, de Bernard? C'est vrai, mais c'était pas en fac de médecine. Ben non, mais c'est double spécialité. Oui. Tu te rappelles? Dans quelle fac? Dans la fac de routier aéronautique. Qu'est-ce que t'es conne. Ça va mieux, j'ai réparé. T'as cassé ton camion. J'ai réparé, je te dis. C'est le moteur, hein, c'est ça. Tu connais rien, essaye pas de t'avancer. Si, je connais, c'est le moteur. Tu connais rien. C'est la soupape de refroidissement qui venait taper la courroie de l'essuie-glace. Donc tu n'y connais absolument rien. Donc tu vas te calmer. Oh, ouais, j'ai bien. C'est pas bien, en fait. Oh. Oh, oh là là. T'as bué. T'as eu un relance. Oh chérie. Mais moi ces jeux je peux les finir à l'aise que j'ai. En fait ça a pas l'air comme ça mais j'ai une patience de l'infini. Oh merde. Merde. Ah oh, putain j'ai oublié d'appuyer. Putain putain voilà. Oh putain de merde. Hey, checkpoint. Non. Ah putain. Ah putain qu'est-ce que ça m'énerve. Oh merde. Maintenant. Oh shit. Oh. Bonjour voilà ici Zerator. On m'a dit des choses avant et il faut que je voilà, faut que je joue plus à des jeux plus intéressants. Donc on se retrouve après pour jouer à des jeux plus intéressants, voilà. C'est bon ? League of Legends. On va jouer à League of Legends, voilà. À tout de suite. En LAN, j'ai explosé la gueule d'un mec dans son écran à tube cathodique. What ? Parce qu'il m'a flame. Mais t'es trop... C'est... J'ai lose, mais c'était CS ! La dernière fois que j'ai vu quelqu'un taper quelqu'un, c'était Adèle qui avait une petite claque à Daichi, c'était il y a 3 ans. Donc c'était la PXL et tout. Et c'était une petite claquounette sur la tête parce que Daichi pendant toute la game, t'es nul. Au bout d'un moment, Adèle. Au bout d'un moment, Adèle, c'était pour ailleurs. Il s'est levé. Bon. Bah, t'avais résolvé la solution. Résolvé le problème. Résolvas-tu le problème. Non, moi, j'avais plus d'électricité un soir. Résolu. Résolu, oui. C'était ça, le c'était mot. Ça, tu cherchais ça. Ouais, je cherchais ça. Non, parce que je vous explique un truc. Tous les vendredis et samedis, Eclipsia, alors en fonction des dispos, Eclipsia va dans le seul pub d'Ashford qui s'appelle le Kunti. Et eux, ils viennent jamais. On sait pas pourquoi. On les invite, ils sont là. Bon, je ne sais pas. Eh ben, on vient avec ma chérie à vendredi, tiens. Non, mais pourquoi vous venez jamais? Bah, parce qu'on est fatigué. Si Ogar vient des fois, c'est le seul. Oui, parce qu'il est obligé.
Non, il est pas obligé. Moi, je suis pas obligé. Je suis obligé de personne. Mais de quoi obligé de personne? Moi, je suis obligé de nous voir. Le gros con, c'est. Non, non, moi, je suis non, obligé de rien. Je m'en fous de vous. Moi, je connais la situation. Je sais qu'est-ce qui se passe là. Il se passe rien du tout. Si, si, bah, si. Du coup, on parle de Lège. Voilà ce qui se passe. Ah, il va venir, hein, ah, il va encore une fois. Voilà. Salaud. Le vanilla latte. Mais je n'arrive jamais à faire la prononciation. C'est genre vanilla. C'est vanilla. Et de la dernière fois, et ça donc, fait. Je fais vanilla latte, please. Et elle fait. Elle fait caramel. Et là il m'a regardé. Mais comment ça, caramel? T'as entendu ce qu'elle a dit? Pourquoi t'es là d'ailleurs? Parce qu'il y a mon émission. Oui, on est en retard. Bon, mais je sais. Tu veux qu'on arrête? On est en retard. T'as vu, je suis tellement intéressant qu'il fait des tea time de 1h20. Alors que toi, pendant quand t'étais dans le tea time, eh ben rien du tout. Ça a duré 5 minutes. T'étais une petite merde. C'est tout. Allez. Oh là là. Attention, il arrive. Oh, je suis caché. Il arrive. Il arrive. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'émission va s'arrêter. Merci à tous d'avoir regardé ce Superator, fait des trucs avec le team time de Lège et Oga. On se retrouve juste après pour les super émissions. Allez, à tout de suite. Ah, voilà Twix, voilà, c'est sans limite. Merci à toutes et à tous, bonne soirée. Ah, ils l'ont eu, ciao. Salut, ciao. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zerator fait des trucs, je suis actuellement en train de... d'essayer de m'échapper des ravisseurs qui m'ont capturé. Je vais... Ah mon dieu, on se retrouve dans 4 minutes si j'arrive à survivre face à ces monstres. Il est là, je l'ai vu. A tout de suite. Il est là. Non. Twix a hurlé dans la régie, il a fait ah, il a enlevé son casque. Oh putain. Ah ouais, bah le fromage. Ah, il a plus d'oreilles, le pauvre. Attends, faut que tu restes pour le son du jeu et tout. Enzo, Joshua, Jordan, Sabrina, Tina, typical routière conductrice évidemment. Pardon. Voilà le slalomage. Oh pardon madame. Orage de mon slalomage. On y va. Bon. Attention virage. Poussez-vous. Oups. Je pouvais pas la mettre dans ce garage là. Presse N. Ça fait quoi N? Salut Michel! À une certaine époque, l'ESWC, donc Electronic Sports World Cup, la Coupe du Monde des jeux vidéo, existait encore et était encore un événement prestigieux d'e-sport. Et en 2008, c'était organisé à Bercy, j'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc il y avait un stand, c'était un stand quoi? C'était un stand. Alienware, je crois, il me semble, ou Nvidia ou Alienware, je sais plus. Et en fait, il y avait des sessions libres de FFA sur Quake 3. Enfin, mini tournoi FFA Quake 3. Et donc moi, je m'inscris, parce qu'à l'époque, ça va, je touchais pas mal à Quake, j'étais pas ouf, mais ça va, je me débrouillais, quoi. Et donc, premier tour, je gagne, deuxième tour, je gagne, et on arrive donc en finale, entre énormes guillemets, donc avec les quatre derniers, et donc le truc commence et tout, et en fait, il m'est arrivé exactement la même chose que Skya. C'est genre en 30 frags, et genre, j'arrive à 25 frags, ou 26, je tombe, donc je perds du temps et je perds un frag. Et le mec me rattrape et me dépasse, arrive à 30 frags, genre j'étais à 29. Et j'étais trop deg, mais on savait pas ce qu'il y avait à gagner. Non, alors elle dit toi t'es quatrième, donc t'as gagné une licence Norton antivirus de merde, un t-shirt et un jeu vidéo, un truc comme ça. J'étais là, oh putain ça va, si le quatrième il gagne ça, ça va être cool pour le deuxième. C'était gratuit, hein, donc c'était free, on s'en carre. Le troisième, il gagnait exactement la même chose. Donc un jeu, une licence Norton de merde et un t-shirt. Et j'étais là... Oh nice! Du coup, bon, qu'est-ce qu'il va gagner le deuxième? Et alors il me dit, toi t'es deuxième, alors très bien, alors tu vas gagner. Donc tu gagnes 4 jeux que tu peux choisir dans une liste. Alors il y avait un bac avec masse jeux actuel, je sais plus ce que j'avais pris. Plus, je crois, 50€, plus un t-shirt, plus la fameuse licence Norton.
Et je fais putain, c'est quand même pas mal pour un tournoi gratuit, 50€, 4 jeux, alors que c'était ouvert au public, hein, c'est un truc de merde. Et elle me dit, et je dis, le premier il gagne quoi? Elle dit, le premier ce sera plus tard. Et donc je vais regarder la finale de Counter-Strike, et juste avant la finale de Counter-Strike, ils annoncent, donc voilà, on a fait un tournoi sur quoi? Tu veux dire le gagnant, machin, donc c'est lui, donc je vois le mec monter, le mec qui m'avait mis un frag à une seconde et tout, j'étais deg. Et ils disent, donc voilà, donc tu gagnes une carte graphique et un PC portable d'une valeur de 2000€. Et là j'étais là, hein, quoi? J'étais trop deg, j'étais tellement deg, la fromagence la plus totale. Oh putain de merde. Les résales sociales, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes mes VOD sur la chaîne YouTube Zerator SC2, bien sûr. Toutes mes informations, mes vines et les photos de l'entreprise Eclipsia au quotidien sur le Twitter Zerator SC2. Et bien entendu, toutes les pubs pour les émissions où je passe et les reportages, etc. sur le Facebook. Donc si vous ne les voyez pas, ils sont au milieu de l'écran. Boîte de nuit sur la A325. Ouais, c'est vrai. Regardez. Yeah. Et oui, parce que j'ai un gyrophare à l'arrière aussi. Parce que c'est un convoi exceptionnel. Oh. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Die. Oh, cheater! Il y a une voiture dessous! Non! Cheater! Oh! 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 Ta 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 ta. Et voilà, tout en douceur, on repart. Mais à fond, mais à quelle heure? Mais oh my god, quoi. Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau d'ici? Est-ce que c'est toujours aussi beau quand on regarde de là-haut? C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Oh merde! Oh merde! J'ai glissé! J'ai glissé, chef! Bon, c'était marrant. Vous voyez là par exemple, j'ai sursauté. Très sursautant. Ah! Vite, y'a un kamikaze, on se dépêche! Meurs! Putain. Oh my god! Mourez les merdes! Mais regardez-moi ça, quoi. Putain, le merde! Ils sortent de la fumée! Ils sont les milliers! Sonnez l'alerte! C'est l'IRC qui me court dessus! Regardez! C'est la Paris Games Week! Non! La Paris Games Week est là! Ils veulent tous Call of Duty en avant-première! On est foutus! Ah! Et là, on se retourne en sautant! Ouah! Alors! Non mais please, stop! Je vais essayer de traverser le champ. Échec! Échec total! Magnifique, mesdames et messieurs. La nullité a tué la planète. Nous sommes des pyromanes. Nous allons vous éliminer. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Photo des Oscars. Ah, tu veux faire ça? Tout cela. Présent. Hop. Oh là là, mon dieu. T'as le bras bien long. Il a pas de tête. Mon dieu. Mon dieu! Ah, mon dieu! Mon dieu! Voilà. Très bien! Très bien! Et ainsi, ils cassèrent les tables.
C'est bon. Après, Gold, ça reste meilleur que 80% des joueurs de LoL. Souvenez-vous. LoL. 80%. Vous vous rendez compte de la nullité des gens dans les jeux vidéo? C'est quand même incroyable. Bon alors. Et oui. Et oui, je suis meilleur que 80% des joueurs. Et donc que 80% des gens sur cette IRC. C'est quand même incroyable. Alors là, c'est parti. Morgana Urgot. Je tape le mec. Directement. Ça sent des pieds, Morgana Urgot. Voilà, donc. Et tu vas die? Concrètement. Mais il va donner le first blood. Mais putain, mais ce mec est trop nul. Mais putain, mais pourquoi tu fais ça? Oh, tu vas le tuer? Ah oh, oui, vous allez le tuer. Oh, oh non. Elle va pas. Elle va die aussi. Doublé de Urgot, magnifique. T'es une grosse merde. Je vais te renier. Je vais te délaître de mes amis de LOL. Encore? Non, de LOL. J'ai déjà fait Bennett. Maintenant, je vais faire LOL. Alors, voilà. La mort. La mort, la mort. Allez. Oh non. Alors, oh non. Non. Alors, il, non est, il était full live, Zerator. Il était full live. Il était full. GG. Ta gueule. Eh hey, mais go là. Bonjour, à tout de suite. Non parce que, bon à part pour toi et LRB, vous deux, c'était la première fois que vous alliez à la Lyon eSport. Qu'est-ce que vous avez préféré? LRB, on va commencer par moi, toi. Moi c'est bah, le contact avec les gens. Ouais, tout, ça, le contact, hein, ça, ça y allait mon gars. Ouais, c'est... Un peu de respect. Un peu de respect. À quelle heure, le contact? C'est surtout l'ambiance qu'il y avait et tout. Genre, les gars, on a bien rigolé, on a parlé aux gens et tout, c'était vraiment pas mal. Et pas que parler. Il y avait masse ambiance. Le contact avec les gens. Le contact avec les gens. Xari, ce que t'as préféré dans cette Le contact avec LRB. Moi j'ai bien aimé le toucher un petit peu partout. Non mais putain les mecs quoi. C'est vrai. Non, moi ce que j'ai le mieux aimé c'était le track. Surface française bien connue de supermarché. Fourca. Pour un mammouth quoi. Pour... Oui, alors, les enfants d'un ça rentre. Hein. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, tu vois ce qui s'est passé là. Ouais. Vous voyez ce qui s'est passé? Ouais, est-ce que mal, Justine, t'as vu ce qui s'est passé ou pas? En fait, il est vraiment donc méchant. On a Lège qui entre dans le studio et qui me regarde et qui fait genre continue de faire des trucs parce qu'on est en retard, parce que c'est Mission LOL, l'émission la plus en retard du monde. Oh donc voilà. Oh, tu te calmes. Et donc, bien évidemment. Enfin, donc, mais ça se passe toujours comme ça. Bonjour à tous, nous avons pris possession de la télévision. Zerator a démasqué notre complot mondial et nous avons été obligés de prendre des mesures radicales. Si vous voulez le revoir, allez le suivre sur Facebook. Le lama en régie peut-il lancer le générique? Nous cite quelque chose de Rémi Gaillard qui nous dit « Oui, je critique la télé alors qu'hier j'étais dedans et alors vous n'avez jamais critiqué votre femme. » Nice! Bonne réponse. Alors, on se retrouve dans 4 petites minutes pour continuer le jeu vidéo et ensuite, eh bien, on se retrouvera pour les LCS. En tout cas, à dans 4 minutes, à tout de suite. Comment ça, tu dis pas Mission LOL? Mais je suis pas dans Mission LOL. Donc je dis pas. Ah donc pas d'auto pour vous. Très bien. Regarde, j'ai pas dit 18 plus, j'ai pas dit Beat the Xari. Mais parce qu'il y a pas aujourd'hui. Ah ouais. Le T-Time, je finis. C'est... Au revoir. Comment tu t'es fait recruter chez Eclipsia? Eh bien, c'est un. Je crois que dans la vie, tu sais, il faut surtout faire des rencontres. Et la vie, tu vois, c'est surtout des rencontres, je dirais. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Non, voilà, bref. Donc, bien évidemment, la tête de la chèvre à 5000 RT, on en parle, hein, voilà. Appuie sur R pour te transformer. Non, ça ne marche pas. Hein. Ça fait 15 000 fois que vous... Très bien. Un codeur plutôt zen. Je pense que lui, il faut l'engager. Hein. Très bien. Ah, ça y est, la tape dans la gueule, quand même, ça l'a fait changer d'avis. Oh, tu vas crever. Oh, espèce de... Je crève. Allez, à tout. Allons-y. Ferme cette portière, Jean-Michel.
Jean-Michel, la porte droite. Attention, ça va chauffer. Le copilote est parti. Non, pitié, pas avec ce malade mental. Fuyez. On y va. Mourez les premiers de la course. Die. Si vous aviez vu la bêta de League of Legends, vous qui jouez à LoL maintenant, je peux vous dire que comme moi, vous n'auriez sûrement pas misé un copec sur le jeu au départ. Tellement la bêta était à chier, le jeu était moche, plein de merde. Oui, de caca, il y avait du caca partout, c'était dégueu. Enfin, c'était immonde, un vrai jeu scatophile. Après, pour le plus grand bonheur des scatophiles, c'est vrai, mais... Avec t'as dit vu la communauté de LoL actuelle, je me demande si je préférerais pas les scatophiles. Ah, c'est dégueulasse. Calmez-vous. Ah d'accord, ouais d'accord. Il y a Fast Kill qui est passé, vous avez vu. Oh punaise. J'arrive pas à freiner comme un porc en l'air. D'accord. Fast Kill. Regarde le Fast Kill. Salut. Regarde le devant lui. Donc, GG à toutes et à tous. Tout de suite, vous allez retrouver le 18+ avec Jiraiya et Oka. Alors, ah, tu la sens, ma grosse intelligence. Bon. J'espère que vous êtes content d'être là et que vous avez réservé votre jeudi soir, car aujourd'hui est un jour très particulier. Aujourd'hui, nous allons enfin nous atteler à un vrai jeu vidéo. Il y a une vraie tâche, celle, évidemment, de Farming Simulator. Dans le futur, donc Meltdown. Ah, mais ça va pas, oh. Le mec s'en bat les couilles. Regardez-moi ça. Cette tête de délinquant juvénile, le mec s'en bat les couilles. Il recule. Attends, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? J'ai dit, le mec s'en bat les couilles. Voilà. Ok, 61%. Pardon. Non mais pardon. Ah oui, d'accord, voilà. Alors je vais livrer cette voiture. Voilà, hein, parce que ça commence à bien faire. Les voitures, il faut pouvoir les livrer en temps et en heure. Bonjour monsieur, tout va bien? Oui, papier du véhicule s'il vous plaît, oui. Oui, je comprends bien. Oui, bah oui, ça vous économise l'essence. Et oui, c'est pour ça. Ah oui, bah ça, évidemment. Évidemment, on est content. Oui, oui, les économies d'essence, parlons-en. Donc si vous roulez la fenêtre ouverte, vous faites des économies d'essence, monsieur. Et oui, bien sûr. Ou alors vous vous faites pousser. Et non pas tracter. Évidemment. Alors la vue n'est pas terrible, hein, de son point de vue, mais... Oui, oui, je transporte. Oui, t'es jaloux, bah c'est comme ça. Alors je ne peux plus démarrer, mon moteur a lâché, définitivement, comme une bombe à triste. Non, c'est bon, voilà, nous repartons. Nous repartons sur les routes, c'est parfait. C'est formidable. Alors, donc, au revoir, bien à vous, cordialement. Passez une bonne journée. La jeune femme assise à la place 52 au wagon numéro 6 est beaucoup trop moche. Vous êtes prié de descendre à la prochaine gare. Après, attention, peut-être qu'il va la poser sur le petit pixel vengeur. Fais gaffe. Oui, mais la corde. Oh là là, faut pas fail. Oh l'enfoiré. C'est entrée pour la drop. Entrée pour drop. Et puis en plus, il y a... Ah, t'es bloqué! J'aurais dû lui dire, c'est espace pour drop la dynamique! T'aurais tellement dû! Oh! Oh! Oh, le plan! Hey, double kill! Oh, hey, ça commence pas! Oh mec, t'étais. Eh, en plus, regarde, c'est drôle parce que c'est les jaunes! Ah, c'est raciste ça! Ouais, c'est raciste! Mais c'est alors, marrant! Alors, on joue et on est coincé! Termite, 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 mec! La termite, ça se tend! La termite, ça se tend! Je sais pas ce que c'est, mais termite! Tu vas voir, c'est énorme! What? C'est trop bien! Je suis caché, mais ça fait la merde! Mais sérieux! Non, mais je suis caché là, tu vois. Boum! J'avoue, il va faire thermite. Là, il va prendre une tourelle, il va mettre une tourelle. On a perdu le game. J'avoue. Oh, c'était tellement stylé. Ah! Oh mon dieu. Oh, les mecs sont trop forts. Oh! Oh! What? Mec, quoi, un truc de ouf! Et la fin d'âge de malade mental, mon gars! J'ai vu que t'avais tellement bugué. Mais. Oh l'enfoiré. Au revoir! Oh, t'es sérieux! T'es sérieux? Au revoir! Non! 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 Oh le nom le plus ridicule de la terre! Non! 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 Je suis en haut, non! Non! De pitié! Non! Non! Allez, va par contre, t'as l'air bien, t'es bien là, en arrière? Je suis pas bien là, je suis tellement derrière là! J'ai pas envie de te dire non! Ce que j'ai dans la main là! C'est un clavier ou. Vas-y, tais-toi. Tu m'as trop soufflé. Regarde, on peut voler. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu voles? Tu secoues. Tu voles avec. Oh non, mais non, t'as changé d'item, t'as niqué la gueule. Alors là, j'ai ruiné. Oh, regarde, oh, oh bah, regarde où je suis, regarde où je suis. Ah ouais, tu glitches le niveau, je vois ça. Oh. Et donc là, t'es arrivé à la fin, c'est ça? Oh. Regarde, mec, oh. Oh, 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 oh
Oh, j'ai glitch le niveau. Waouh! Waouh! What the play! Wow. Oh my god! Petit Picano, enfin tu vas pas me dire que quand tu joues une table qui s'appelle Tablemon, enfin ouais, Tablemon à l'attaque, non, c'est nul à chier. Quatrième génération, et puis enfin ils ont sorti des Pokémon, merci, c'est une boule de glace quoi. Enfin, genre c'est un cornet, il y a deux boules, c'est un Pokémon. Genre ils sont comme ouais, boule. Ah ouais, c'est Sormoumoule! Mais mec, enfin une connerie, là, c'est un sormet, mais n'importe quoi. Donc ça m'avait par-dessus la casquette. Non, c'est vrai. Alors, ce mec est énorme. De défaut à toi, mais je te le dirai hors antenne. Qu'est-ce qui te plaît? Bah, t'es un connard. Bah écoute, voilà, bah, il faut qu'on te le dise, t'es un connard. Meilleure voiture, j'imagine. Du coup, il va plus vite. Donc c'est j'en sais rien, il sort de prison, il a pas de thunes, mais évidemment, il a des potes blasé. Qui vont réussir à lui refourguer une caisse de malade. On va voler des trucs, on va machin. En plus, il va se taper la meuf, ça va être parfait. Bref, ça va vite, c'est génial. C'est comme Fast and Furious, mais en moins bien. Alors que déjà, Fast and Furious, voilà. C'est une adaptation de jeu vidéo, donc moi, je suis un petit peu comme ça. Hein, voilà, sur les. Oh, voilà. Trop cher. Donc là, pardon, mais Aaron Paul, je suis impatient de voir dans d'autres films, mais non. Il y a Michael Keaton qui se recycle un peu, hein, parce que après. Batman, etc., etc. On passe à Robocop et Need for Speed, voilà. J'applaudis la fin de carrière cinématographique. Tu es officiellement mort, Michael Keaton. Voilà, donc... You're dead to me. Courez en salle, si vous voulez. Courez en salle. M'enfuis là-bas. Ouais. Évidemment, courez en salle. Roulez en salle. Hein, roulez en salle. Oh là là, quelle... Ah, merde. Putain, oh là là. Oui, moi aussi, j'ai mal. Ah, tu l'as bien vendu. Ouais, c'est comme si tu me disais Formula One Championship, le film. Enfin, tu vois, genre, c'est ouais, pas un mais jeu vidéo. Speed, c'est pas si mal. Il y a eu pas mal de volets. Euro Truck Simulator, non, mais... le film. Ah, à quand? À quand? Je peux faire Roger. Je suis disponible. Je suis disponible. Je me porte volontiers. C'est pas tout public. Ok. D'accord. Par contre, il y a Scarlett Johansson à poil. Voilà. Donc, C'est bon, il va mourir. Oh, c'était dommage ça. Ça, c'était bien joué. Qu'est-ce que tu fais? Votre équipe a joué une tour. Ah, j'ai échoué. Doublé ennemi. Il attaque les loups. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, d'un coup, s'est retourné. En fait, je veux des loups à manger! Ah! Twix n'est pas là, j'ai pris le contrôle de son box et. Et voilà, je suis sur le compte de Twix. Alors attendez, c'est parce que c'est sa scène. J'ai pris toutes ses scènes. Donc nous sommes Diamant 3. Voilà. Nous sommes en Diamant 3 actuellement, en ranked évidemment. Hein. Voilà, bon, pas déconner. Pas déconner quand même. Donc je suis Twixzilla. Bienvenue sur mon stream. Alors je vais bannir des gens. Alors qu'est-ce qu'on bannit en Diamant 3? Je connais pas. Si tu loses, il est rétro. Quoi? Si je lose, il est rétro. Non. Non, vous rigolez. Là, vous êtes en train de... Oh, c'est ça son plateau game. Nice. Il est à 0 points. Oui, il redescend. Non, c'est pas vrai, vous rigolez. Non, vous rigolez. Oh non, putain, non. Attendez, je vais voir LOL Nexus. Twixzilla. Non. 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 Oh merde. Twixzilla. Oh putain, il a 0 points. C'est la vérité. Vous m'avez dit la vérité. Oh non. Oh, ça va être la game de l'enfer. Oh, Twixzilla Diamond 3 0 LP. Ah oui. Attends, laisse-moi, faut que je danse. Ah non, j'ai crevé. Je sais, je savais pas. Twix, je savais pas que t'étais à zéro. Je savais pas, Twix, que t'étais à zéro. Je suis désolé. Je voulais pas, putain. Non, mais à ma décharge, les trois lanes ont fail. Genre, y a pas que la mienne. Bon, maintenant, est-ce que Twix va être démote? Putain, j'espère que non. J'espère que non, putain. Alors, lobby. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Ok, c'est parti. Oh, mesdames et messieurs! Mesdames et messieurs! Non, mais t'as vu la game? T'aurais dû regarder la game parce que c'était pas ma faute. T'es sûr? Oui, c'était pas ma faute. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas faire ça.
Et je pensais pouvoir gagner la game en toute honnêteté. Hein. J'ai pas fait ça vraiment pour niquer la game ou quoi. Je suis vraiment, vraiment... je sens pas bien. Tu t'es fait quoi à la lèvre? Alors j'ai pris... En fait j'ai croisé Rengar. Vous savez le nouveau skin de Rengar avec la capuche? J'ai cru que c'était un rôdeur. Eh bien en fait j'ai pris un coup de griffe. Et mais c'est pas grave, j'ai réussi donc à knockback, à stun et donc à fuir. Parce que j'ai posé une ward, j'ai dash dessus. L'enfer, l'enfer sur terre, c'est Godzilla. Fuyez. On va aller près du feu, je suis sûr que... Quoi? Très bien. C'est pas l'heure de danser, bordel. Il va y avoir c'est la synchro verticale. Putain, mais vous arrêtez avec ça. Vous êtes débiles. La synchro verticale, c'est une option graphique sur DirectX qui a été... Putain. Ça n'a rien à voir. Voilà. Vous voulez pas être styliste et tout? Parce que c'est quand même le premier truc que t'as fait. Et donc ça, c'est pas un truc que tu rêvais de faire? Parce que quand je t'ai dit tout à l'heure qu'est-ce que t'aurais aimé faire quand tu seras grande, etc., tu m'as pas répondu ça? Non. Juste t'avais zappé ou tu voulais pas être comme ça? Parce qu'en fait, c'était réalisable, alors que chanteuse-actrice, c'est pas réalisable pour moi. Enfin, ouais, un rêve. Concrètement, merci, mais j'ai pas... Bah, ça veut rien dire, hein. Il y a des acteurs très moches et des actrices très moches. Mais d'accord. Dans quoi ça? Bah, il y a des acteurs, des actrices très moches. Bah, non, mais tu dis... tu viens de mais non, mais elle dit, je peux pas faire actrice, regarde ma gueule. C'est tout qui réagit comme ça, c'est... Non, mais tu t'es auto-tué. Tu t'es auto-tué. Mais non, mais alors là, je m'en balance. Elle dit elle-même, non, mais je suis moche, je peux pas être actrice. Je dis, bah oui, so what? La beauté, c'est subjectif. Oui, c'est vrai. De toute façon, il n'y a pas de gens beaux et pas de gens moches. Il y a des gens que toi, tu trouves beaux et des gens que toi, tu trouves moches. C'est comme ça que ça marche, la beauté. Vous vous calmez, là. Les gens sont intelligents. Les gens qui regardent Zerator sont des gens intelligents. Le rachat hypothétique, c'est une rumeur, de Twitch Télévision par YouTube. Il y a des gens qui disent cette rumeur est fausse, machin, enfin bon, en tout cas, Julien Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer, pas nous racheter, tu peux racheter YouTube. Je dis, est-ce que tu peux nous racheter immédiatement? On peut se faire passer pour une femme et tout jusqu'à un certain point. Et quand il commence, quand le mec, alors faut picturer le mec quand même, il est en pyjama inspecteur gadget chez lui, ok? Pyjama inspecteur gadget dans sa chambre et tout. Et quand il commence à te dire bisous bisous, et là tu fais ouais, on va sur TeamSpeak. Ouais, donc salut. Ouais. C'était moi. Ouais, c'est moi Twix, ouais. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors ouais, on fait des bisous. Tu as fait... Ouais. Alors, non, on fait pas de bisous. Alors on fait des bisous maintenant. J'ai fait ma communion, grande communion, en cinquième, alors que je n'ai pas été baptisé. Ils m'ont demandé si quand j'étais baptisé. T'as pas fait genre. Non, ils m'ont demandé si j'étais baptisé. J'ai fait oui. Et je comprenais pas en fait ce qui se passait. Moi, il y avait des trucs à bouffer et tout, les pastilles. Toi, t'as go. Ouais, j'ai go. Toi, t'as go. Il y avait du vin, du pain. J'ai fait ouais. Vas-y, go, donne à manger. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, voilà. I'm sexy and I know it. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zerator fait des trucs. Aujourd'hui, nous revenons de la Lyon eSport et donc nous sommes fatigués, bien évidemment. Nous sommes dans les bureaux d'Eclipsia et ça, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs. Alors, on va mourir. Ça va, je suis détendu. Ça a l'air cool, un crash d'avion. Ça a l'air... Le mec était là. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as, c'est juste l'avion qui se crache, ça va, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est... Ah, y'a un mec là! Alors toi! Alors! J'ai pas trop aimé comment tu m'as emprisonné. Donc voilà, c'est pas parce que t'as pas de zizi que tu peux te permettre d'emprisonner les gens qui en ont un, hein? Voilà. Alors maintenant, tu vas m'écouter, hein? Parce que le monde, maintenant, il va chez le coiffeur. Ouais, c'est ça. Allez, hein? Éloignez-vous! Que personne ne bouge! S'il y en a d'autres, montrez-vous! Je vous tue à coups de jambes! Faites gaffe, je me protège. Oh, je me protège avec la jambe de votre pote. Alors, en garde. Heure. Trouve-toi un autre emplacement et fais un deuxième camp. Maintenant, j'ai pas le temps par rapport. Il nous reste l'antenne. Il s'est passé quoi? Mais il s'est passé quoi? Voilà. Et là, regardez ça. Meurs. Voilà.
Putain! J'avais trop géré du Moi, j'ai hâte de voir ce que c'est le housing. Enfin, j'ai hâte de voir comment ils ont géré ça. Parce que le housing, c'est un truc que les joueurs de World of Warcraft ont attendu des années. Et Blizzard avait fini par dire non, on le fera pas. Parce que vous comprendrez, il faudrait qu'on travaille. Donc, c'est un peu chiant à faire. Et donc, voilà. Donc, on s'était dit, bon, il n'y aura pas de housing. Tant pis pour Blizzard. Mais voilà. Enfin, cela dit, là, peut-être que vu qu'un concurrent est sorti, ils vont dire au fait, le housing. Un orc qui pèse dans le milieu. Alors le son c'est normal. Alors on a Thrall. Bon, Thrall toujours aussi gros, toujours aussi imposant. Toujours pas de régime pour ce gros porc de Thrall. Pour vivre le gameplay extrêmement extrêmement. Oh ça y est, le lama d'or, il est là. Le lama. Oh là. Nice. C'est bon. Le point d'extraction est à portée, c'est bien. Merci beaucoup, Pépita. Et donc voilà, ça va, ça je peux le faire, Pépito. Elle est là, les gars. Bon, on a fait 2 pour 1, je crois. Qui est mort chez nous? Quelqu'un est mort? Personne est mort, 2 pour 0. Ça s'est bien passé! Ça s'est plutôt bien passé. Ok, on va pas défendre seul, hein. Faisons pas notre typical stupide player. Votre tourelle a été des poissons. Des poissons. Ah oui, ça c'est Twix. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Rengar 2605. Parce qu'il a pris mon compte la dernière fois. Quand j'ai pris son compte, il s'est vengé. Il s'est dit, je vais prendre ton compte. Ouais, mais c'est pas vraiment se venger. Ouais, il est Frigidaire. Il parle, imagine les gens. Ouais, voilà, ils étaient là, qu'est-ce qu'il fait? Il était là, qu'est-ce qu'il fait, Frigidaire? Oui, il est en Gold 2-3, il est en train de tous les bâcher. Il a pris Rengar, il était là, ouais, toi aussi. Ça ne nous fait pas du tout marrer. Les ah, joueurs, il y en a un là-haut, je l'élimine. Et le bot, on va te def. Le bot, et le bot, dans la tigueule, on va te def. Tiens. Oh non, hop. Lège a été exclu. Lège est banni 30 minutes. Bienvenue au club. Nous sommes donc 5v3 dans ce game. Ici la prison. Ici la prison. En direct de la prison à Bory et Lège. Mais mon gars, j'ai juste. J'ai l'impression de jouer au Monopoly quoi. Non mais sérieusement quoi, je suis plus un gamin. Passez pas par la case départ. Putain. Touchez pas 20 000. Ah, ah mon dieu. Ah, c'est une catastrophe. Mon dieu. Vite, éliminez la notation. La notation YouTube meurt. Ah, le feu, il y a le feu. C'est une horreur. Nous sommes en retard à cause du feu. Ne bougez pas, on arrive. Je vais éteindre tout ça, générique, et on revient après. Ah. Et regardez vers le bas. Voilà. Alors voyons voir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait encore... Vous êtes les gens les plus cons du monde. Vous êtes vraiment... stupide. Donc une affiche grand comme Goéland. Et donc faites pixel par pixel, on est d'accord? Oui. Ah mais il y a ma tête et tout. Ah la vache. Attendez, j'avais pas vu en entier, mais c'est une catastrophe. Oh putain, enculé de rire. Oh là là. Mais vous êtes des malades, mais faut vous calmer. Et aujourd'hui, ça fait un an que la soirée d'inauguration de la ZTV est passée, exactement. Et donc voilà, donc jour de commémoration, bien évidemment. Pour eh bien ce que vous avez permis, parce que vous mesdames et messieurs, vous avez eh bien changé ma vie grâce à vous. Je roule en Porsche. Bon, alors n'hésitez pas à profiter de ce serveur, il est ouvert à tous. Si vous postez une petite candidature, on fait ça pour éviter voilà que les gens fassent n'importe quoi. Mais va te faire foutre. Vous inquiétez pas, c'est un fake. C'est Amaury qui fait chier avec la fausse alarme incendie. Calmez-vous. Tout va bien. Mais putain, mais arrête ça. Il est infâme. Va te faire foutre, Amaury. Je quitte TeamSpeak. Donc voilà, merci à tous. Je le hais, ce mec. Je le déteste. Je vous ai déjà dit que je le détestais. On va bien rigoler, ça va être à la... Non mais stop, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que... Voilà, vas-y, fais ta chromaquie. Voilà. Oh là là, mon pénis brûle. Oh, oh zut. Oh, j'ai la bite en feu. Non, super. Bon, allez, au revoir. Quitte ça là, coupe le local record.
Vas-y, vas-y. Allez, au revoir. Oh, oh, oh. Reviens ici. Je me fais tirer par un camion, je suis une chèvre. Ça va le faire, regardez. Mais il m'aime. C'est mon papa. Oh papa, reviens papa. Ah. What, what, de quoi? À quelle heure? Pardon, c'est pas moi. Il revient, il fait demi-tour, il revient. C'est génial. Genre là, si je fais ça devant quelqu'un, j'imagine, ça va lui faire peur. C'est ça? Oh, son père. Ça me donne envie de faire quelque chose. Attendez, je reviens. Regardez où nous sommes. Attention, 3, 2, 1. Ah, mourez, mourez. Ah, saloperie de bordel. Aidez-moi. On va jouer à un nouveau jeu aujourd'hui. On va jouer à un jeu de soldats. Ne bougez pas. À tout de suite. Ah. Oh, mais tu vas te calmer, oui. Et je suis donc en caleçon. Il y a que des gros. C'est bien. Il y a une guerre de gros. Et une guerre de gros. Ça vous fait rire en régie? Ça vous fait rire les guerres de gros? Ouais, bonjour. Est-ce que la régie m'entend bien? Voilà, donc tout va bien. Il a même pas son casque sur les oreilles. Il te fait nickel. Ouais, ouais, ouais. C'est nickel. Il te fait, ouais, c'est nickel. Ce mec est... Voilà, c'est pro. Alors. Alors, je suis argent. Alors oui, t'es argent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai été diamant 8 saisons d'affilée. Ensuite, j'ai arrêté de jouer genre 3-4 saisons. Et donc, ça a reset mon MMR. D'accord. Et donc, maintenant... Et donc, t'es reparti d'argent. De... T'es reparti de très loin. D'accord. Très exactement. Bien. Donc, as-tu joué random sans respect non plus? Ah oui, évidemment. Ok. Bah, on joue contre des animaux, on peut jouer random. Enfin, je veux dire, il y a ton topic. Il y en a plusieurs, normalement, il y en a plusieurs. Bah, il y en a plein, mais en tout cas, t'avais fait un long post. C'était bien écrit, tu es sûr que c'est toi qui as écrit ça? Bah oui. Non, je plaisante. Je racontais vraiment toute ma vie. Ah oui, donc ça va pas. Là, il y a vraiment beaucoup de ma vie. Et de deux... Putain, je sortis avec une meuf hier et tout. Et de deux... et de deux, voilà. Je vis ma vie en étant tous les jours serein. Et assez, ouais, d'accord, assez content globalement. Ouais, et assez content, tu vois. Donc t'es plutôt positif. D'avoir le, voilà, exactement. Essayer d'avoir le moins d'influence négative sur ma perception des choses et mes émotions. Ok, donc je prends ça pour un ça va alors. Ouais, ça va. Ok. Donc nous recevons Fabrice Lucchini aujourd'hui. Qui ne répondra pas aux questions. Exactement. Alors ça va, je pense pas qu'on puisse dire. La suite. J'ai pop de la chatte de ma mère. Elle a finalement trouvé que j'avais une tête d'Alexandre. Ah oui, d'accord. Ce qui se justifie. Hein, tout, évidemment. Tout à fait. Je suis un rageux aussi, je pense. je rage basse. Mais je rage par plaisir. Ok. Pas par vraiment rage interne, mais par plaisir de la rage, tu sais. Un peu comme sur Ara. On sait ce que vous faites. On sait ce que vous faites. On comprend. On comprend. Parce que bah, j'étais un malade en fait. J'étais un animal. Mais vraiment, j'avais une bête, une colère intérieure. En fait, je suis un animal. Et magnifique femme de footballeur. D'accord. Voilà, donc Lola, Anna et Abby sont trois sportives jeunes femmes qui ont l'habitude des boîtes de nuit branchées, du fric et de la belle vie, quoi, et qui font tout pour faire plaisir à l'homme. Sacha Grey, Sunny Line, vraiment, c'est des très très bonnes actrices. Ok. C'est une femme, you touch my tra-la-la. Comme un peu, des actrices bonnes. My ding-ding-dong. D'accord. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est une personne qui a aussi des qualités humaines et une certaine surface. Enfin, c'est juste.
dans les parodies. D'accord. Il nous a sorti des titres du genre, alors je vais vous lire, hein, ah, oui. La vérité si je bande, qui veut chouquette mon fils, scène de ménage X, la belle et la bite. Alors, d'accord. Des titres qui méritent d'être cités. Chouquette avec les stars aussi, hein, jeune et chouquette. Chouquette avec les stars. Hein, T'arrêtes pas de chouquette Pénélope. Enfin, on a souvent assez déçus des adaptations cinématographiques qui en sont faites. Godzilla. Godzilla, c'était nul à chier. Non, parce que du coup, tu nous en as pas parlé. Je vous ai pas parlé dernière. De Godzilla. Et oui, merde. Puisqu'on n'était pas là la semaine dernière. N'allez pas Godzilla. Voir ça, non. Oh, c'est chiant. Alors. Oh, c'est chiant. Ouais, là, Max, Xari et moi, donc la moitié, 3 sur 6, nous sommes endormis. Ah ouais? Vraiment. C'est chaud. Endormis. Mais vous étiez fatigué, non? Pas plus que ça, un peu, mais voilà. C'est-à-dire que moi, je me suis réveillé un moment. J'étais sur l'épaule de Xari, hein, sans déconner. Ah, c'est trop mignon. Et je me réveille, je me frotte les yeux et je fais « Ah, mais Xari, il dort, en fait. » Très bien. Mais Xari dort tout le temps. Non, pas du tout. Non, enfin, il s'endort vite, quand même. Il ne cligne même pas des yeux, en temps normal. Je ne sais même pas comment. Il hydrate ses pupilles. Donc, non, il y avait... Non, je pas sais trop, juste qu'ils hésitaient avec d'autres prénoms. Si j'avais été une fille, je me serais appelée Alice. Alice. Et ta sœur s'appelle comment? Elle s'appelle Marion. Logique. Voilà. Oui. C'est... Vu qu'ils voulaient m'appeler Alice, j'avais été une fille, ils ont appelé ma soeur Marion. Voilà. C'est normal. Fais lui, tu nous saoules, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Papy Sarens qui me dit ça. Ça quoi. Va? Ça va? Tu vas bien? Ah oui, je suis... Non. Alors, parfait. Tu t'en vas maintenant. tu files dans ta chambre. Allez, ça suffit maintenant. Tu t'en vas. Oh non. Putain. Allez, file dans ta chambre maintenant. Va-t'en. Faut le faire comme lui. T'es pas le style. Pourtant pas hostile. J'ai pas l'intégral. Du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour. Je te même plus ton pour. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas, non, qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, non. N'oublie pas le local record. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mon jeu d'acteur parfait là, je recommence. Ah, voyons voir si nous nous écrasons. Non. Oh, c'était de la merde. Oh, le crash le plus ridicule de toute l'histoire de l'humanité. Mon dieu, tel un suppositoire, je me faufile dans cette arcade. C'est crash bon. Incroyable, un homme fou. Un homme plein de qualité et de surprises, vous le retrouverez un autre jour, puisque mercredi, pas de Tea Time Cinéma. En fait, je t'ai appelé comme ça en vite fait, je pensais pas du tout tomber sur toi. Déjà, je t'ai à te remercier. Quoi? Parce que c'est super. Tu pensais tomber sur qui? Le mec m'appelle. Alors attends, parce que je pensais tomber sur un standard professionnel qui filtre les appels. Je pensais qu'on allait filtrer les appels et tout, que ça allait durer 40. Ah non, pas du tout, c'est à l'arrache, tu penses bien. Pas du tout, non. Oui, allô? Les gens ne raccrochent pas. Hein. Ah, quelqu'un qui a le lait. Alors, il a raccroché. Peut-être est-il mort. Parce que... Alors, il a fait un cri hein, avant de raccrocher. Oui, allô, tu t'appelles Clément et tu habites je ne sais où. Comment vas-tu? Allô, oui. Oh, il est là, bonjour. C'est Amaury. Oh, la défense! La défense incroyable! Oh! Oh! La défense incroyable! Oh! Allez, vas-y! Avance! Oh! Humiliation! Oh, tiens, non. Prends ça dans la gueule! Allez, plus. Le mec trop easy, quoi, t'es genre. Non! Hop là! Oh! Oh, l'humiliation! Il marche dessus! Oh là là, incroyable! Allez, hop, ça continue! Voilà! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Casse-toi! Allez hop! 63! 70! Voilà! Hop là! C'est terminé!
extrêmement déçu de l'attitude de Zerator, beaucoup trop toxique. C'est à cause de joueurs comme ça que LoL n'est pas aussi désagréable à jouer qu'il devrait être. Mais ferme ta gueule et retourne sur ton PC, putain. C'est un jeu vidéo, qu'est-ce que tu nous casses les couilles. Non, alors mais là, je serais déçu de ton attitude. Ouais, bah moi aussi, je suis déçu de son attitude, oh mec. Il a qu'à pas nous regarder, il a qu'à retourner, mais je sais pas, sors, on va faire du game ou quoi, on rigole. Rigole avec un pote, va voir tes amis. Enfin non, mais merde. Mais ferme ta gueule. Très déçu de Lège qui insulte les viewers. Oui, bah là, pour le vraiment coup, je suis déçu de moi-même. Non, mais il m'énerve. On va passer au film, comment dire, gros budget de cette semaine et main attraction de la semaine sur laquelle tu as beaucoup de choses à nous dire. Quel est le troisième film de, qui sort cette semaine? Alors, le troisième film qui sort cette semaine... Oh, ça va être trop bien. Ça s'appelle Transformers Age of Extinction. Ou l'âge d'extinction, hein, si vous voulez. De Michael Bye Bye Bye. Très bien. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, alors, vous pouvez couper le son à partir de maintenant et le remettre quand ça sera fini. Pourquoi je n'ai pas aimé Transformers Age of Extinction? Mark Wahlberg répare Optimus Prime avec deux tournevis et un chalumeau. Ça, pareil, ça n'existe pas. Hein. C'est, on est dans un autre monde. Mais si, les Américains. Okay. Tous les agents du FBI, parce que c'est important, ont des longs manteaux et des lunettes de soleil. Même quand ils cherchent Optimus Prime dans la grange où il fait tout noir. Ils sortent des lampes de poche. D'accord. Enlève tes lunettes, gros connard. Enfin, je veux dire, tu verras mieux, quoi. voilà. Le super scientifique de la mort fait du gringue, pas du tout subtil, à sa collaboratrice chinoise, qui, bien évidemment, va tomber sous son charme. Sinon, on vexerait les Texans de merde. Hein. C'est pas... voilà. Ah. Cette collaboratrice en question, d'ailleurs, a un MBA en management et un diplôme en technologie robotique. Par contre, elle fait du kung-fu parce qu'elle est chinoise. D'ailleurs, on croise qu'un seul autre chinois dans le film. Plus de 2 minutes. Et lui aussi, il fait du putain de kung-fu, en fait. Donc, non. Il y a un seul noir dans le film aussi, je tiens à le préciser, un seul. Racisme positif, tout ça, il faut le passer. C'est un agent du FBI qui a des lunettes du soleil et qui ne les enlève pas pour chercher Optimus Prime dans la putain de grange sombre du début. Parce qu'il fallait pas qu'il soit trop intelligent, bien sûr. Ah, il y a 2 pages. Il y a 3 pages. Alors, il faut savoir quand même que Mark Wahlberg, dans le film, et tous ses acolytes, esquive à peu près 35 explosions, 20 missiles, 549 balles, des hélices, des véhicules ou tout objet pouvant être projeté et porter atteinte à leur vie. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce film, tout peut tomber du ciel. Des balles, des ogives, des ventilateurs, des voitures, des hélicos, des paquebots, des vaisseaux spatiaux, ta mère. Et même Mark Wahlberg. Tout peut tomber du ciel, voilà. Par contre, Mark Wahlberg, lui, il ratterrit sur ses pieds parce qu'il fait de la muscu. À ça, on rajoute un T-Rex, un Triceratops, un ptérodactyle et un dinosaure trop badass avec plein d'épines que personne connaît. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu se cultiver, c'est un putain de spinosaure. Ça, c'est le meilleur. Mark Wahlberg tue un agent du FBI armé jusqu'aux dents avec un ballon de football américain. Parce quoi? Qu'il fait de la muscu. Comment il fait? Là, il lui balance dans la gueule, le mec tombe de 10 étages. Mais bon, déjà le lancer pour projeter un... Enfin, non, mais... Wahlberg récupère un flingue alien dans le film à un moment, voilà, pourquoi pas. Hein. Il peut repousser un Transformers, ce flingue. Un Transformers, donc un truc qui fait 15 mètres de haut. Par contre, le recul, il propulse pas du tout Mark Wahlberg 50 mètres plus loin, s'écraser la gueule contre une poutre en métal, hein, là, il n'y a aucun souci. Ce même gun, d'ailleurs, qui a un peu une forme d'arme de corps à corps, d'épée, lui permet à un moment de contrer un coup porté avec une épée par un Transformers ennemi. Donc, une épée en acier trempé de 15 mètres de long et sûrement de plus de 200 kilos. Hein. Pas de problème, Mark Wahlberg fait de la muscu. Il fait de la muscu. Le méchant robot, noir, hein, donc celui qui est allié au chargé de la sécurité de l'État, a d'ailleurs enfermé tout le monde dans son vaisseau alien, hein, et se carre totalement des humains, en fait, parce que c'est un méchant robot, bien sûr. Par contre, c'est vachement pratique qu'il ait enfermé tout le monde, parce qu'à la fin, quand tout le monde doit se rebeller pour le buter, ben, ils sont tous déjà là, en fait. Hein, ils ont juste à sortir, ils lui pètent la gueule, voilà, c'est pas cool. Pas vos enfants qui ont fait un bon truc si jamais ils foirent. Apprenez à vos enfants à perdre. Il flamme les. Alors on est nul à chier. En fonction des derby, il va y avoir des gifs sur internet. J'ai bien peur que la caméra me trahisse. Ah oui? Malheureusement. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, si je me mets comme ça. Oh yeah. Sur son pénis. Genre je roule grâce à son pénis, très bien. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Ah non, aïe, aïe. Ah, aïe, aïe. Ah non. Oh, 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 oh. Ah ouais. Oh, voilà, j'ai bien perdu. Ça s'est bien passé là, l'herbe. Ah, ça s'est bien passé. Putain, j'ai perdu en fait. Oui. Oh, 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 oh. On a. Ah.
donjon, c'est bien beau, mais je veux du diamant. Ouattata, oh, oh, je crame. Comment on fait? Faut aller dans l'eau. Faut aller dans l'eau. Là, là, dans l'eau. Ah, je crame plus. Je crame plus, et là, il y en a... Oh putain. Non, non, pitié. Non, non. Ah. Non, ah, mais j'ai pas de chat. Pile à ce moment-là, il y avait un archer squelette de merde. Ah, la vache. Comment on fait? Ouah. Ouah. Non. Mais putain de... Mais putain de merde, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh. J'ai drop mon épée en diamant dans l'eau et je l'ai perdu. C'est ballot. C'est pas grave, on y va. Il y a un creeper juste là. Ah mais il est... Il a explosé? Non, il a dû se barrer. Les araignées attaquent pas la nuit, le jour. C'est vrai ça? Bonjour, t'attaques pas? Merde! Merde! Non! C'était un bait de l'araignée! Poufias! Non! Je suis mort! Je suis mort! Mais putain, il était où? Oh! Je suis trop dead! Un looping dans la joie! Ah, j'adore ça! Oh, formidable! Une boucle, j'en raffole la nuit! Voilà, d'accord. Ah, Ilis, faut que je te demande un truc! Ah, c'est trop bien qu'il soit là! Ilis, il me faut quelque chose dans Shootmania dont personne n'a besoin à part moi. Il faut un bouton sur le site Mania Planet, retirer tous les amis. Tu peux, dans le jeu, enlever un ami. Non, mais Ilis, écoute, bon, je veux pas faire de la mauvaise volonté, mais regarde. Par exemple, cet ami-là, je peux le retirer. Remove Dark Spawner. Bon, il a été retiré. Je remove ensuite machin. Je remove ensuite machin. Certes, je peux faire ça, mais... Ilis, j'en ai des milliards. Et encore, là, tu crois que c'est la fin, mais non. Ils sont même pas tous affichés. Je suis allé voir sur le site. Il y en a bien plus que ça. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est bon, je vais faire toute cette liste et ce sera bon. Mais en fait, non. Il y en a bien plus que ça. La 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 la, doum 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 doum. La 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 la, doum 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 doum. Oh putain, oh là là. Oh, ça va être chaud de se sortir d'ici, je sens. Doucement, doucement, doucement. Et voilà. Il est redoutable à tout. Mais pourquoi je suis coincé là? Mais c'est une blague. Oh non, je suis dans la... Non. Sérieux, c'est la vraie vie ça? Franchement, c'est pas parfait. Regardez ça. Un vaisseau. On va le nommer évidemment. On va l'appeler Ya Ya Choucroute. Oh merde. On voit mes cheveux. Ah merde, c'est nul. Oh non, c'est nul. Ah non. Oh non. Oh non, je suis trop deg. Mais le cadre est trop bas. Normalement, il est pas aussi bas. Là, on voit mon pénis. Attends. Donc les tuyaux. En gros, il y avait une manière de tomber. C'était quoi? Il est tombé. Dave est tombé. Dave est tombé. Devant tous les viewers. Et il a sprinté pour vite se dépêcher parce qu'il est passé sur le coin. C'est dommage. Notre guild master est tombé. Mesdames et messieurs, c'est une catastrophe. Regardez, regardez votre guild master se faire ridiculiser en live. Et là, il doit arriver. Regardez Dave qui revient avec cette mini-carte. Dave qui est tombé en direct. C'est une catastrophe. Viens ici. Laisse-moi l'aggro. Mais non, mais il est bête. Je me mets à DPS en face d'aggro. Ou de toute façon, ça ne change plus rien. Mais pauvre Dave, il faut l'excuser. C'est parce qu'en fait, tout ça... Non, mais putain. Trop près. Imbécile. Oh, mais ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais casse-toi! Mais casse-toi! Casse-toi! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dégage! Mais il comprend rien. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, là? Je peux pas. Je peux pas, ici. Et voilà, il va full régène. On dit merci à Dave qui ruine l'e-sport.
1. Allez, c'est parti. Plante. Et ça va planter, évidemment. Ah, il faut cliquer sur play. Allons-y. Alors, est-ce qu'on a Starting Soon. Voilà, formidable. Merci à tous. Fin de tournage. Ouais. Bien teaser les salons. Comme ça. Bien teaser les salons. Voilà, paf, paf, pif, paf, pouf. Là, il faut que je rebouche ce que j'ai fait comme connerie, là. Fais gaffe! Ça fait trop peur! Ça, c'est pour le champ de force. Ah non, c'est chiant, c'est pas symétrique! Yeah yeah meurs! Mais y'a la balle là, abruti! M'énerve les demeurés qui focus dans les jeux de foot! Les autres! Abruti! Débile! Ryan! M'énerve! Crève! Bacon and cheese. Mais ils veulent pas de viande, mais c'est des mongols! Mais c'est des gros mongols! Du bacon, du fromage et du pain! Mmh, c'est délicieux, tu sais! Un morceau de pain et de la salade, s'il vous plaît! C'est des mongols! Mais c'est des mongols! Oh, à l'attaque! À l'attaque! Il y a bien une qui va tomber sur le perroquet! À l'attaque! Ah, voilà! Oh, je pense qu'on peut finir tous les niveaux comme ça. Voyons voir. À l'attaque! Yaaaaaah! Oui. Regardez, même si on fait ça, je pense. Ah, tu vas crever, perroquet de mes deux. Voilà, c'est bon, on a trouvé. Le perroquet va finir par mourir. Attaque. Voilà. Quoi, le nom du jeu, c'est Raft Wars. Oh non. Ah, il a mis un coup de hache dans le bébé. Oh bah non, du coup il est mort. Je me rappelle plus où il est. Un peu plus bas normalement. Merde. Va falloir faire un peu plus bas. Catastrophe. Oh, un chat. Bim. Et boum. Voilà. Alors. Alors, putain. Mais putain, mais je suis trop fort. Mais putain. Alors, les japonais là. On y va. Les yeux fermés. Ah. Mais putain. Mais putain. Mais tu vas faire quoi? Mais vous allez faire quoi? Alors. Putain! C'est trop facile ce jeu! Genre Ubisoft, je vais les voir, je leur dis, regardez, je pèse, j'ai 100 000 YouTube, 50 000 Twitter, donnez-moi Far Cry 4 en exclusivité mondiale française. Ils vont dire, pas du tout, 100 000 c'est de la merde. Mais si jamais j'ai 2 milliards, si là le chiffre en haut c'est 2 milliards, alors là ça change tout. Là ils vont dire 2 milliards! C'est incroyable. Donc, voyons voir. Allons-y, cliquons. Il est minuit maintenant, enfin 23h59, pas exactement. Ouah ! Ah ! Je crois que je me suis fait troller. Attendez. Parce qu'en fait, le mec qui code le truc m'a troll en fait. Les vrais résultats sont en dessous. Attendez, regardez ce qu'il a écrit. À nous Far Cry ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété un câble. Hey, vous êtes maintenant 3 milliards. C'est trop bien. 3 milliards, 2 milliards et 1 milliard. GG! Là, il va aux toilettes. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais à la suite, parce que, bon, je vais aux toilettes, maison de vacances, typicale maison de vacances, et là, de la chasse d'eau, je vois une limace. Tu sais, il y a une chasse d'eau comme ça, où tu dois appuyer pour que le truc, machin, et je vois une limace faire. Et j'étais là, trop marrant! Donc là, je lui pisse dessus! Non, pas du tout. Donc je la vois sortir et tout. Dégueulasse. Non, parce que c'est Vélade qui me fait rire. Et je la vois sortir et tout, je fais, oh, je vais prendre une photo pour Twitter, donc la bite à l'air et tout. Ouais, vas-y, la limace et tout, je la tweet. Et là, je mets, oh, il y a une limace aux toilettes. Bon, en fait, l'histoire ne dit pas que j'ai mis 3 jours à envoyer le tweet parce que j'ai mis 3 jours à trouver assez de connexion pour envoyer la photo. Bref, j'envoie la photo direct. Je postillonne et tout, c'est la Polaroid, le postillonnage. J'envoie la photo et là, je vois un retweet instant. Genre, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 secondes, 0. Je vois direct retweet instant. Et donc là, la limace. Je vois la limace du web vous a retweeté, un truc comme ça. Et je fais, c'est quoi, encore un bot de merde? Je vais voir son profil. Le mec, chaque fois qu'il a écrit limace sur Twitter, il envoie un message en plein retour de stream. Mais ça va pas. Alors, vous avez gagné la loterie, 1 million d'euros, votre transfert au Bahamas, ça a bien été. Ok, bon, c'est pas important.